Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de mai. C'est le cinquième mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, oui, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies. Seigneur, je veux te remettre ce mois de mai entre tes mains, afin que tu nous bénisses, tu nous guérisses, tu nous guides en toutes choses, sachant que tu seras fidèle, tu nous aideras dans toutes nos circonstances, dans toutes nos faiblesses et dans tous nos manquements. Nous savons que tu seras à nos côtés pour nous conduire en toutes choses encore tout au long de ce mois de mai. Nous nous attendons à toi, car tu es celui qui dirige chacun de nos pas, la lumière sur notre sentier. Oui, tu es toi-même le chemin que nous parcourons. Sois notre guide et notre réconfort en tout temps, tout au long de ce chemin. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Mais c'est M. M comme monte sur la montagne. Voici ce que l'Éternel attend de toi, mon frère, ma sœur. Monte sur la montagne sainte, car c'est là que je parlerai à ton cœur. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur? Qui pourra monter et accéder à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu et tiendra debout dans son saint temple? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont les mains innocentes, qui ont gardé les mains nettes et qui ont le cœur pur. Celui qui ne se tourne pas et qui n'est pas attiré vers le mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne jure pas pour demeurer dans la fausseté et qui ne fait pas de faux serments pour tromper son prochain. Ils recevront la bénédiction du Seigneur, la faveur de l'Éternel. Il aura l'avantage d'être béni par Dieu lui-même. Il aura l'avantage d'être justifié par l'Éternel qui sauve, la miséricorde du Dieu de son salut, et il les reconnaîtra comme justes. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui les révèrent et s'attachent à lui. Voilà le peuple de ceux qui cherchent le Dieu saint et qui tournent vers lui leur regard, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob, qui veulent te contempler, ô Seigneur, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, ouvrez-vous largement. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, élevez-vous, porte éternelle, ouvrez-vous. Ouvrez-vous toute grande porte de l'univers et que le roi de gloire fasse son entrée. Laissez entrer le roi glorieux. Mais qui est ce roi de gloire? Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros. C'est Dieu, notre Seigneur, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, le Dieu fort et vaillant, le héros de tous les combats. Porte, élevez vos linteaux. Ô portail, ouvrez-vous bien grand et relevez vos frontons. Élevez-les, porte éternelle. Élevez-les, porte éternelle.
Ouvrez-vous, toute grande porte de l'univers, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Qui est ce grand roi glorieux? C'est le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Le Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Je lève mes yeux et je regarde vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Y a-t-il quelqu'un pour me venir en aide? Mon secours me vient de l'Éternel. Oui, pour moi, le secours vient de la main de mon Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle et vienne à trébucher. Il te préservera des faux pas. Il t'empêchera de glisser. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Ton gardien ne dormira pas. Il te gardera sans relâche. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui garde son peuple, sans relâche, sans dormir, il ne ferme pas les yeux, celui qui veille sur Israël, son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. Oui, le Seigneur est ton gardien. Il te gardera et restera à tes côtés. Il sera ton protecteur. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il sera pour toi comme une ombre protectrice à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Il ne te nuira pas. Il ne te causera aucun mal. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Le Seigneur te protégera de tout malheur. Il préservera ta vie. Il gardera ton âme. Il veillera sur ta vie. Il te gardera de tout mal. Il veillera sur ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Oui, le Seigneur veillera sur toi. Il te gardera depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et à jamais, dès à présent et pour toujours. Alors, mon frère, ma sœur, monte sur la montagne sainte et invoque le nom de l'Éternel sur ta vie, sur tes circonstances, sur tes problèmes et tes difficultés. Monte sur la montagne sainte. Monte au plus haut des cieux et demande son assistance lorsque le combat s'intensifie autour de toi. Monte en esprit et en vérité et adore ton Dieu pour sa divine protection sur ta vie. Monte sur la montagne sainte et invoque son nom. Monte au-dessus des nuages qui viendront assombrir ta vie et envole-toi comme un aigle dans les hauteurs de l'esprit. Monte en prière et laisse le divin Créateur prendre tes fardeaux et relâcher sa paix sur ta vie. Monte, mon frère, ma sœur, monte sur la montagne, monte encore plus haut, monte encore plus loin, monte, car derrière les nuages, le soleil est toujours aussi resplendissant. Cesse d'être cloué au sol. Monte, monte, monte en esprit et en vérité, et fais bouger la main de Dieu par tes prières et tes supplications. Ne te tais point, mais parle, relâche des paroles de foi et d'autorité sur ta vie afin que les situations se débloquent, afin que la main de l'Éternel change le mal en bien pour ta vie. Alors maintenant, il est temps de monter à la montagne de l'Éternel. Monte, envole-toi par l'Esprit et vois la fidélité de ton Dieu qui se manifeste dans tes circonstances maintenant, au nom de Jésus. Mais c'est A. A comme attend la promesse avec foi. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et attend sa promesse. Mon âme contemple le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Alors voici, j'étais à mon poste
Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Oh, quelle merveilleuse promesse Dieu nous donne ici, mes bien-aimés. En cette seule parole, nous avons toutes les clés pour prendre possession de nos promesses. Réfléchissons juste un instant, tous ensemble, sur la plénitude de ce passage pour en saisir tout le sens. Il dit, « J'étais à mon poste. » Alors mon frère, ma sœur, es-tu à ton poste aujourd'hui? Où te trouves-tu? Es-tu précisément là où Dieu te veut? Parce que c'est là que tu dois te trouver, à ton poste. Je me tenais sur la tour, mon frère, ma sœur, où te trouves-tu en ce moment? Es-tu sur la tour? Es-tu sur le roc? Es-tu au milieu de la vallée? Où te trouves-tu en ce moment même? Tu dois monter sur la tour, monter là-haut où Dieu te montrera tout ce qui t'attend. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors ma question, mon frère, ma sœur, est, est-ce que tu es en train de veiller? Est-ce que tu es en train d'attendre pour écouter ce que l'Éternel te dit? Es-tu en train de tendre l'oreille pour entendre le conseil de Dieu sur ta situation? Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je te conseille de le faire. Veille, veille et tends l'oreille, car l'Éternel a quelque chose à te dire. Oui, l'Éternel m'adressa la parole. Mes bien-aimés, Dieu répond toujours à ses enfants, à celui qui tend l'oreille pour entendre dans le but de lui obéir, pour entendre le conseil de l'Éternel, pour entendre la direction qu'il doit prendre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met un sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Oui, mon frère, ma sœur, toutes les paroles que Dieu te donne personnellement, tu dois les écrire pour les lire couramment. Les lire couramment, qu'ils soient constamment devant tes yeux, surtout dans les moments de découragement. Ce sera alors une encre pour ton âme afin de ne pas périr dans le découragement quand le temps se prolonge avant que la promesse n'arrive. Le semeur sème sa parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Ensuite, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Si tu ne veux pas être ce terrain sur lequel la semence a été enlevée, eh bien je te conseille d'écrire cette parole que Dieu t'a adressée, cette promesse que Dieu t'a faite personnellement, afin que l'ennemi n'ait aucune emprise sur cela et qu'il ne puisse pas venir l'enlever. Lis-la couramment, qu'elle soit toujours devant tes yeux, afin que ton âme soit fortifiée et encouragée et qu'elle demeure dans la foi jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Car Dieu dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mon frère, ma sœur, Dieu a établi un temps d'accomplissement pour chacune des promesses qu'il nous donne. Voilà pourquoi il ne faut pas être impatient. Il nous faut être bien patient et confiant en tout ce qu'il nous dit, car il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous les cieux. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Mon frère, ma sœur, Dieu a déjà fixé le terme de ton épreuve, de ta situation, afin que sa promesse s'accomplisse sur ta vie. Tu dois donc t'efforcer à garder cette parole précieusement au fond de ton cœur, car Dieu ne ment jamais. Toutes les promesses qu'il nous fait s'accompliront. Une fin pour toute chose. Le temps qui a été donné à l'ennemi de nos âmes pour nous éprouver, lui aussi prendra fin. La fin de son règne nous est déjà décrite
dans l'Apocalypse. Sa fin est écrite. Son destin est déjà écrit. Alors ne te décourage pas, car toi, ta promesse t'a été faite afin que tu touches le ciel, afin que tu entres dans la vie éternelle. Ne baisse pas les bras. Tiens bon, mon frère, ma sœur. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement, nous dit la parole. C'est une certitude. Elle s'accomplira dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et si le temps passe et que tu te lasses d'attendre, ne perds pas espoir. Garde les yeux fixés sur cette promesse, sur celui qui t'a fait la promesse, car elle s'accomplira certainement, certainement, certainement. Il est fidèle, n'en doute pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras s'accomplir cette promesse dans ta vie. Tu la verras se matérialiser dans ta vie. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelles sont tes promesses. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Je ne sais pas quel est le nombre, l'origine, la nature des promesses qu'il t'a faites. Mais je sais une chose, avec certitude, c'est que les promesses de Dieu pour ta vie vont s'accomplir. En effet, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit en son temps. Le problème, c'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu avait promis à Abraham une descendance semblable aux étoiles du ciel. Dieu avait dit à Sarah qu'il lui donnerait un fils nommé Isaac. Dieu a promis qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin, et que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Oui, que nous habiterions dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Notre Seigneur n'est jamais en retard. Il n'a jamais raté l'un de ses rendez-vous divins. Il n'est jamais ni à l'avance, ni en retard. Au contraire, son temps est parfait. Alors, même si sa promesse semble tarder à s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma sœur, garde confiance, garde une confiance inébranlable et attends l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Ne sois pas aigri parce qu'elle ne s'accomplit pas comme tu le veux, où tu le veux et à l'instant où tu le demandes. Attends-la avec patience. Attends-la, fais-lui confiance. Il sait tout ce qui doit se passer avant que cette promesse ne s'accomplisse. La semence ne germera que lorsqu'elle est plantée dans une terre fertile, à l'abri de la chaleur et arrosée par une eau vive. Et c'est alors qu'elle germera, c'est alors que germera ta promesse et qu'elle fleurira pour la gloire de notre Dieu. Chaque chose a un temps précis pour son accomplissement. Peut-on demander à un arbre de produire des fruits succulents en pleine saison d'hiver ? Ne doit-il pas attendre le printemps ? Peut-on demander à une plante d'en produire une autre sans passer par la semence ? Peut-on demander à un papillon de voler lorsqu'il n'est encore qu'une chenille ? Peut-on demander à un enfant de parler dès qu'il sort du ventre de sa mère ? Non, bien sûr que non. Il existe un temps pour toute chose, sous le soleil, nous dit la parole. Et pour qu'un arbre produise de bons fruits, il y a un processus à suivre. Et ainsi en est-il aussi de nos vies, mes bien-aimés. L'enfant n'est pas encore mature et ne peut pas encore jouir de son héritage, nous dit la parole. Oui, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Mes bien-aimés, nous sommes fils et filles de Dieu et donc par conséquent héritiers des promesses de Dieu. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous grandissions dans la foi et dans la maturité pour pouvoir en jouir pleinement. Toute promesse de Dieu a été établie sur nos vies pour un but bien précis à atteindre. Elle a été prononcée pour notre bien, mais aussi pour que les autres puissent aussi en bénéficier. Dieu ne forme pas de promesses sur la vie de ses fils et de ses filles, juste pour les bénir personnellement, et puis c'est tout. Notre Dieu a une vision bien plus grande et plus large que la nôtre. Il veut te bénir, toi, ton conjoint, tes enfants, tes petits-enfants, et jusqu'à la millième génération après toi.
la promesse que tu attends depuis si longtemps ne te concerne pas qu'à toi. Elle commence par toi, mais aura aussi des répercussions sur toutes celles et ceux qui croiseront ton chemin. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux me souvenir de toutes les promesses que tu as déjà réalisées sur ma vie et te rendre grâce pour tout ce que tu as encore en réserve pour moi. Même lorsque la tempête fait rage, je veux me souvenir que tu demeures au contrôle dans n'importe quelle situation, que je la comprenne ou non. Tu calmeras les eaux qui s'agitent autour de moi, comme il est écrit dans Marc 4 au verset 39. Oui, au son de ta voix, tout se calmera. Au son de ta voix, tout cela s'arrêtera. C'est une grâce imméritée. Je le déclare, je veux attendre ta promesse, Seigneur, sur ma vie. Peu importe le temps que cela prendra, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je veux attendre dans la bonne attitude, celle de la confiance en toi. Car ta promesse est bien plus grande que tout ce que j'avais pensé jusqu'à ce jour. Tu me béniras, mais tu béniras aussi toutes celles et ceux que tu as placés sur mon chemin. La promesse est pour moi et pour tous ceux qui sont avec moi. Seigneur, je te prie de me donner la force d'attendre dans la bonne attitude, sans murmurer, sans me lamenter, jusqu'à l'accomplissement de ta promesse sur ma vie. Mais, c'est I. I comme imagine. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais bien-aimés, Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Il peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Alors, mon frère, ma sœur, voici le conseil que je te donne aujourd'hui. Il est temps d'activer ton imagination. Il est temps de réaliser que l'esprit qui a été déposé en toi est très puissant. Il possède d'énormes capacités créatives et imaginatives. Souviens-toi qu'à l'origine, tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Alors, il est temps de parler, il est temps d'imaginer et d'agir comme Dieu le veut. Et si tu te demandes encore quelles sont les capacités qui sont réellement en toi, de quel pouvoir Dieu t'a doté, eh bien sache que ton pouvoir imaginatif est ta capacité créative. Si tu réalises cela, tu seras donc capable d'imaginer des résultats positifs. Oui, tout ce que cela peut engendrer dans ta vie. Ne limite pas ton imagination, ne limite pas la capacité de Dieu à réaliser tous tes projets, même les plus fous. Refuse l'inquiétude à tout niveau. L'inquiétude nous entraîne à imaginer les pires scénarios. L'inquiétude nous aide à imaginer toutes les possibilités négatives qui pourraient arriver dans notre vie. L'inquiétude rend nos peurs possibles. Plus nous demeurons dans cet état d'esprit, et plus elles ont de chances de se matérialiser en nous. Car la peur a le pouvoir de créer ce que nous craignons. Mais la foi, à l'inverse, a le pouvoir de matérialiser ce que nous croyons. Ils sont donc opposés l'un à l'autre, ils se font la guerre dans notre esprit. Plus vous ferez croître votre foi, et plus vos peurs s'enfuiront. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous pourriez peut-être dire, si quelque chose ne va pas, ne dois-je pas m'inquiéter alors? Non, refusez simplement de vous inquiéter. Peu importe ce qui se passe avec l'économie, les soins de santé ou la peur de la santé, lorsque vous vous inquiétez, vous ouvrez une porte à la peur qui concrétisera vos craintes. N'entrez donc pas dans le tourbillon de la peur.
cessez de toujours imaginer le pire, mais au contraire, commencez à imaginer de bonnes choses sur votre vie. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans votre vie. Mon frère, ma sœur, refuse d'être perturbé par l'inquiétude, la peur, l'angoisse, les tracas, les troubles, les incompréhensions qui arrivent dans ta vie. Élève ton esprit vers de bonnes choses. Fais fructifier ton imagination. Aligne-toi avec la parole de Dieu et déclare-la pour ta vie, afin qu'elle se concrétise pour toi. Si aujourd'hui tu es malade, eh bien commence à t'imaginer guéri. Commence déjà à imaginer quelle sera ta vie si tu n'avais plus cette maladie. Quelles sont les choses que tu pourrais faire à présent? Tous les obstacles qui t'empêchaient de réaliser certaines choses dans ta vie à cause de cette maladie, imagine qu'ils tombent. Commence à t'imaginer guéri, en bonne santé. Ravive tous les projets que tu avais enfouis dans le fond de ton cœur à cause de cette maladie. Si tu es capable de l'imaginer et si tu poses ta confiance en Dieu, tu pourras le voir se réaliser. L'imagination a un grand pouvoir en nous. L'imagination est la porte d'entrée à la véritable foi. Car un malade qui s'emprisonne dans sa maladie et qui ne voit plus que toutes des impossibilités dans sa vie, se découragera et restera cloué dans sa maladie en n'espérant jamais plus rien de positif pour lui. Alors mon frère, ma sœur, je te le dis, secoue-toi de cette mentalité de perdant, d'échec répétitif, de peur à tout niveau. Débarrasse-toi de tout cela et active ton imagination. Pose ta foi en Dieu et vois le miracle s'accomplir dans ta vie. Que le malade commence à élever son esprit et s'imaginer guéri, en bonne santé. Que le pauvre commence à s'imaginer riche et prospère dans toutes ses voies. Que le célibataire s'imagine marié. Que la stérile s'imagine en ayant un enfant. Que celui qui n'a pas de travail commence à s'imaginer travaillant de ses mains. Active ton imagination. Vois les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà et pose ta confiance en Dieu. Gardez votre esprit, mes bien-aimés. Gardez votre esprit sur la parole de Dieu et laissez Dieu au contrôle de toutes choses pour rendre l'impossible possible. Visualise ta réussite. Imagine-la dans ton esprit. Ose imaginer un avenir rempli de bonheur et de réussite dans tous les domaines de ta vie. Proclame la parole de Dieu sur ta vie, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta famille, pour tous les domaines de ta vie, à tous les niveaux, et vois se réaliser l'avenir que tu as imaginé dans ton esprit. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. Tout est possible à celui qui croit. Tout, mes bien-aimés. Oui, tout est possible à celui qui pose sa confiance en ce Dieu qui réalise l'impossible. Proclame la paix, proclame la prospérité, la santé divine, le salut et la victoire dans tous les domaines de ta vie et marche dans les réalités de ton héritage en Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remettons ce nouveau mois de mai entre tes mains d'amour. Je te prie de nous faire grâce de ton secours en toutes circonstances dans notre vie. Que ta main toute puissante nous dirige et nous conduise vers notre terre promise. Seigneur, en ce nouveau mois, je veux monter sur la montagne sainte. Je veux élever mon âme et mon esprit dans ta présence, te rendre un culte qui te soit honorable, qui te soit agréable. Je veux t'adorer tel que tu es et te rendre grâce pour toutes les bontés qui se renouvellent chaque matin sur ma vie. Révèle-toi toujours plus dans ma vie et annonce-moi les choses à venir que tu as déjà prévues pour moi. Je veux attendre ta promesse afin que tu la réalises sur ma vie. Je veux attendre dans la bonne attitude, sachant que toutes les paroles que tu prononces sur la vie de tes enfants s'accompliront tôt ou tard. Peu importe les circonstances qui surviennent en chemin,
Je veux, moi aussi, me tenir à mon poste, sur les remparts de ma vie, et attendre cette promesse qui marche vers son terme et qui se réalisera certainement. Tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ta promesse est certaine, ta parole est vérité, et le temps de l'accomplissement est entre tes mains. Tu es au contrôle de chaque situation dans ma vie, de chaque chose qui se présente devant moi. Rien ne te surprend, rien ne te prend au dépourvu. Même l'impossible, toi tu le rends possible pour ma vie. C'est pourquoi je ne veux jamais te limiter dans ma vie. Je veux m'aligner avec ta parole et déjà imaginer mon avenir selon les promesses que tu m'as faites. Je veux stopper mes peurs et mes inquiétudes, sachant qu'elles ont le pouvoir de créer ce que je crains, mais qu'au contraire, ma foi a le pouvoir de créer ce que je crois. C'est pour cela que je veux me fortifier dans la foi et voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. J'ai confiance en toi, je m'attends à toi, encore en ce nouveau mois de mai. Accorde-moi ta grâce de voir des jours meilleurs s'ouvrir devant moi. Je saisis ton bras tendu et me revêt de ta force toute puissante pour avancer encore tout au long de ce nouveau mois qui se présente devant moi. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de vos espérances en ce nouveau mois de mai. Amen.